filles de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Alors là, je suis à l'instant du film Chocolat, réalisé par Roche Dizem. Alors je m'attendais, je dois le dire franchement, un film grand spectacle, mais bon, assez insipide. Et là, pas du tout. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise. C'est pas du tout le biopic lambda comme à la mode ces dernières années où il n'en reste rien. Non, c'est vraiment bien fait, c'est touchant, c'est émouvant. C'est la vie de cet artiste, Chocolat, cet artiste de cirque méconnu, ou du moins qu'on a oublié. Et qui est vraiment intéressant, voilà, de se repencher voilà, sur tout son parcours. Et au-delà de l'artiste de cirque, il y a un fond, quoi, sur l'humanité, sur la condition de cet homme qui a du mal à vivre avec cette époque. Ça se passe au début du siècle, où l'artiste noir n'est pas concevable. Donc alors forcément, il y a beaucoup de rumeurs autour de lui, de critiques, de racisme. Donc voilà, donc c'est l'histoire du cirque, mais c'est aussi l'histoire de cet individu. Et voilà, donc c'est aussi un film sur la tolérance, et vraiment un très beau film. Alors, pour qui aime l'univers du cirque, comme moi, forcément, c'est tout de suite un univers rempli de mélancolie, empreint de, voilà, d'une époque qui n'est plus, où le cirque, voilà, était encore adoré, le début du siècle. Alors tout de suite, on pense à Fellini, on pense à Chaplin, d'autant que James Thierry, le partenaire de Marcy, tous les deux sont d'excellents comédiens, ils sont émouvants, ils jouent parfaitement. D'ailleurs, James Thierry a vraiment une formation de cirque par ses parents, pas forcément ses atavistes, mais aussi parce qu'il fait beaucoup de danse. C'est un artiste complet, on le voit sur scène. Omar Sy est parfait également, c'est un très bon acteur, il le confirme une nouvelle fois. Vraiment, Roche Dizem a signé là un très beau film. Je suis très agréablement surprise, c'est un vrai réalisateur, il y a une vraie ambiance, des couleurs magnifiques, des ambiances magnifiques, le début du siècle, Paris 1900, splendide. Oh là là, on s'y croirait, on remonte le temps. Alors même si vous n'aimez pas l'univers du cirque, vous ne pouvez pas vous ennuyer, ne serait-ce que par les décors, on en a plein les yeux. C'est un effort sur tout point de vue, du décorateur à la costumière. C'est un travail collégial magnifique, avec une histoire très émouvante, très touchante, donc c'est de cet artiste, Chocolat, que je vous recommande vivement. Voilà, un beau film, une belle réalisation, une belle histoire. Donc un coup de cœur.